Écoute, ça a l'air bon. Bonsoir, monsieur Paco. Bonsoir. En attendant que les gens arrivent sur ce Facebook Live, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison? La raison de Facebook Live? Exactement. Avec notre groupe Ensemble pour Valoris Golf Jean, ça fait voilà des années qu'on est convaincu que la participation citoyenne, c'est la base de toute action politique. Donc on veut transmettre un maximum d'informations et dans le même temps, on veut en recueillir un maximum. Donc on est dans l'échange en permanence. Cet échange, on le fait avec nos gazettes, avec notre site internet, nos pages Facebook, etc. Et le live, c'était un moyen de recueillir directement les questions des habitants et d'y répondre de la manière la plus simple et la plus vivante possible. Alors justement, vous avez posté une vidéo récemment sur différents réseaux sociaux. Donc nous avons recueilli les questions qui en résultent. Donc nous les avons classées en plusieurs thèmes, l'urbanisme, le déplacement, l'économie, jeunesse et sport, etc. Nous allons vous les poser et je vais vous demander d'y répondre très brièvement, mais en donnant un maximum d'informations afin de répondre aux questions des internautes. Donc si tout est bon, nous allons commencer par l'urbanisme. Oui. Alors il y a trois questions qui regroupent plus ou moins le même sujet. C'est sur le chantier Sophipolis. Oui. Alors le chantier Sophipolis, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le chantier Chemin de Saint-Bernard. Quand on va en direction de Valbonne, après le Leclerc sur la droite, on voit la colline qui est complètement dévastée, j'ai envie de dire. Donc là, il y a une zone de 4 hectares sur laquelle est prévu un complexe hôtelier avec des cellules commerciales, 16 cellules commerciales assez grandes. Et il y a eu un premier permis de construire qui avait été délivré en 2014, par Monsieur Gumiel, à l'époque pendant l'entre-deux tours. Et ensuite, il y a eu un permis modificatif qui a été accordé par Madame Salucci, très récemment. Et nous, ce permis modificatif nous avait semblé litigieux. Donc on avait alerté le préfet, et en effet, le préfet a retiré le permis de construire. Mais il a retiré uniquement le deuxième permis de construire. C'est-à-dire que le premier permis de construire, celui qui date de 2014, il est toujours valable. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs ont le droit de faire des travaux pour respecter ce premier permis de construire. Donc c'est pour ça que les travaux ont repris il y a peu, et en théorie, il devrait y avoir la même chose que ce qui était prévu en 2014, c'est-à-dire hôtel avec 16 cellules commerciales. Mais pour cela, il faut qu'il respecte le permis de construire, et pour l'instant, c'est un peu compliqué, parce que, encore une fois, à ma demande, un contrôle a été fait sur les lieux récemment, il y a quelques mois, et un PV a été dressé pour non-respect du premier permis de construire. Donc c'est vraiment un dossier qu'il faut suivre avec la plus grande vigilance, quoi. La plus grande vigilance. D'accord, très bien. Fabienne O se demande, pour ce qui est de la commune, que pensez-vous du projet Open Sky soutenu par la CADA? Alors le projet Open Sky, c'est un projet de Valbonne, c'est pas un projet de Valoris, hein, qui est au Clauzon, de l'autre côté de l'autoroute. Mais c'est vrai qu'il va impacter Valoris, parce que le chemin de Saint-Bernard, nous, c'est notre seul axe quasiment, notre seule connexion avec Sophie Antipolis. En tout cas, la principale, elle est déjà très embouteillée, très engorgée, à cause du Leclerc. J'espère que le Sophipolis sera un projet qui n'aggravera pas la situation, même si je crains le contraire, et forcément, ça aura un impact, Open Sky, forcément. Donc construire un énorme complexe à cet endroit-là ne nous apparaît pas du tout être une bonne chose. C'est pourquoi nous, on a signé la pétition qui s'oppose à ce projet et qui demande un projet plus respectueux de l'environnement et qui s'intègre mieux dans la vie économique de Sophie Antipolis. Merci. Alors Dominique Ruggieri se demande s'il y a un plan de rénovation prévu pour la vieille ville. Il précise qu'il y a passé toute son enfance, notamment sur la place du Piolet, et aujourd'hui il a honte de voir cette petite place laissée à l'abandon. Place du Piolet, donc vieille ville de Valoris, pas de golfe juin. Et alors aujourd'hui il n'y a pas de plan de rénovation qui est en cours, qui est acté sur la vieille ville. Mais bientôt il pourrait y en avoir un parce qu'il y a un plan d'envergure là qui vient d'être signé entre la ville et l'État qui s'appelle Action Cœur de Ville. Donc c'est une enveloppe de l'État d'une quinzaine de millions d'euros à peu près qui va être débloquée pour stimuler la vie économique de Valoris, du centre de Valoris, donc du Damier notamment. Donc cette enveloppe pourrait notamment être utilisée pour les rénovations urbaines, rénovations de bâtiments, etc. Donc une partie pourrait être orientée pour refaire la vieille ville. Mais après, j'espère aussi qu'on n'oubliera pas les commerces. La dynamisation de l'économie, du secteur vraiment économique, me paraît primordiale. Donc il y aura quelques routes qui seront refaites, quelques bâtiments aussi qui seront rénovés.
Mais il ne faut pas espérer que toute la ville soit refaite, toutes les routes, tous les bâtiments. Ça n'arrivera pas. Enfin, pour conclure sur le sujet, Vitetta Vincent se demande quelle politique d'urbanisation pour valoriser notre région. Une Ouais. question un peu plus globale, Ouais, un peu plus global. générale. Donc vous m'avez demandé de faire synthétique, donc là ça va être difficile, hein. Quelle politique d'urbanisation? L'urbanisation, c'est le logement, c'est les constructions. Donc c'est la première des choses. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'on est dans un développement massif des constructions à Vallauris-Golfe-Jean. Les dernières zones naturelles disparaissent sous le béton. Et ça, vraiment, moi je suis convaincu qu'il faut mettre un frein au développement anarchique, du coup, enfin irrégulier en tout cas, du béton sur Vallauris-Golfe-Jean. On a la chance d'avoir une commune qui a encore des espaces verts un peu préservés, autant à Golfe-Juan qu'à Vallauris. Et ça, c'est un atout vraiment sur la Côte d'Azur qu'il faut qu'on conserve. Donc, première chose, on essaye de préserver les zones naturelles, les zones agricoles. Deuxième chose, il faut répondre aux besoins de logement en même temps pour les habitants de la commune, et notamment le grand retard qu'on a en logement à loyer modéré, mais pas seulement. Et donc là, on privilégie la construction de la ville sur la ville, ce qui ne veut pas dire augmenter les hauteurs partout, pas du tout, comme certains ou certaines pourraient préciser de le faire croire, mais c'est définir des zones bien précises où là on peut construire davantage. Et inversement, et aussi pas inversement, on va dire en plus, on peut essayer de mobiliser les logements vacants. Et ça, il y en a pas mal sur la commune, il y a plus de 40% des logements qui sont vides à l'année sur la commune. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, construction, qui est définie par le plan local d'urbanisme. Donc c'est le règlement municipal qui définit toutes les règles de la commune. Donc ça, la priorité des priorités, c'est réviser le plan local d'urbanisme, changer les règles d'urbanisme pour l'adapter à nos besoins actuels. Et j'essaye de faire très synthétique, mais je suis obligé d'en parler. L'urbanisme, c'est pas que le logement. C'est aussi un document d'avenir qui permet d'envisager l'avenir. Donc on doit prendre en compte les transports. On doit prendre en compte l'activité économique, on doit prendre en compte les services publics, où est-ce qu'on va mettre les écoles, où est-ce qu'on met une médiathèque, etc. Donc c'est vraiment, on voit le socle de la politique municipale dans les années à venir. Ce PLU, il aurait dû être changé quand Madame Saluy est arrivée, elle s'y était engagée, elle ne l'a pas fait. Dès 2020, lorsque la nouvelle majorité arrivera, ce sera un des premiers dossiers sur la table. Très bien. Vous avez parlé des déplacements, donc des transports en commun en particulier. Plusieurs questions sur le même sujet, justement, donc ces transports en commun, des routes peu déviées par les bus, des routes peu aménagées pour ces transports. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? C'est vrai que les transports en commun, c'est un thème qui est un peu délaissé sur la commune depuis quelques années. Avant, il y avait un élu de la majorité, Monsieur Dubois, qui s'en occupait, qui était président de l'OTEC, qui était un très bon président de l'OTEC, qui malheureusement est décédé. Et depuis quelques années, c'est un peu délaissé. Et ça, c'est la CASA, en fait, qui gère tout ce qui est transport en commun. Et il est vrai que sur Vallauris-Golfe-Juan, on a besoin de repenser. Vraiment, j'en suis convaincu qu'il faut repenser complètement les transports en commun. Complètement. Les circuits, les cadences, les fréquences. Il y a des besoins autant à Vallauris qu'à Golfe-Juan. À Vallauris avec les scolaires, les personnes âgées. Golfe-Juan, les personnes âgées, c'est une grande demande aussi, la navette notamment, avoir la navette plus régulière. Donc ça, c'est simple, il faut qu'il y ait une implication des élus de Vallauris-Golfe-Juan à la CASA. Et aujourd'hui, ce que nous dit la CASA, nous, à chaque fois qu'on fait des demandes à la CASA, ils nous répondent, mais nous, on n'a rien qui nous remonte de Vallauris. On n'a aucune demande particulière, ni de la part des élus, ni de la part des habitants, qui ne sont pas constitués en association, etc. Donc là, il va vraiment falloir avoir une personne identifiée sur cette question des transports en commun, pour pouvoir repenser et justement, créer un service qui soit aux besoins de la population et adapté à nos besoins actuels. Merci. Rosario Tutino s'inquiète pour la sécurisation du boulevard des Deux Vallons. Il dit que les véhicules roulent vite et qu'un jour un drame risque de se produire. La sécurisation des routes, ça c'est, on va dire, une des principales demandes des habitants. On le voit dans les conseils de quartier. Le problème, c'est que vous pouvez mettre tous les radars du monde, tous les dodanes du monde, vous changerez. Si le comportement des gens ne change pas, la circulation restera difficile. Donc la première des choses, oui, c'est vrai aux deux vallons, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres rues de la commune. Les gens roulent trop vite, et ça, c'est les comportements qu'il faut changer. Donc ça demande beaucoup de pédagogie,
c'est long, c'est difficile, et oui, la répression fait partie intégrante du dispositif, mais il faut pas croire qu'en mettant des dodanes et en mettant des radars, ça va résoudre tous les problèmes, mais la répression, le contrôle, être présent sur le terrain, arrêter de laisser faire, ça oui, c'est primordial. Dernière question sur le sujet. Est-ce qu'il y a une solution au fait que depuis que les parkings sont payants, des personnes viennent se garer à la Zaïne et les habitants de la Zaïne ne peuvent plus s'y garer? Est-ce qu'il y a une solution? Alors oui et non. J'ai envie de dire non pour commencer. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution parce qu'en fait, ça, le plan de stationnement de la commune a fait qu'il y a une immense majorité des places de stationnement de la ville qui sont payantes maintenant. Donc les gens qui n'ont pas trop d'argent ou qui n'ont pas envie de payer, tout simplement, ont tendance à se garer un petit peu plus loin sur les places gratuites. Donc les habitants de ces zones où les places sont gratuites, non, ont moins de place. Donc aujourd'hui, tant que ce contrat il est en place, malheureusement, je vois pas comment on peut faire. On peut pas interdire les gens de se garer sur des places gratuites. C'est même le principe du contrat de stationnement, c'est d'éloigner les voitures du centre. Donc, c'est la preuve qu'au moins de ce côté-là, ça fonctionne. Mais par contre, il y a une solution sur le long terme. C'est avec le plan Action Cœur de Ville, dont on a parlé au début, là, l'enveloppe de 15 millions d'euros de la part de l'État. On pourrait l'utiliser, et c'est une des propositions que j'ai faites en conseil municipal lundi dernier, on pourrait l'utiliser pour sortir du contrat stationnement. C'est-à-dire, on casse ce contrat stationnement, on dit à Vinci Indigo, merci, au revoir, on va s'occuper nous-mêmes de nos parkings, et là, on refait une politique de stationnement au profit des habitants et au profit des acteurs économiques. Très bien. Une petite question économique avant de passer à jeunesse et sport. Oui. Est-ce que le fait que le projet Action Cœur de Ville que vous avez cité tout à l'heure... Oui. Donc, est-ce que le fait que ce projet soit dirigé par un chargé de mission recruté par la CASA et non par la municipalité serait un point négatif pour notre commune? Alors, c'est une très bonne question. Franchement, j'ai été assez surpris de la qualité, c'est pas le terme, mais de la précision des questions lors de ce Facebook Live. On voit qu'il y a beaucoup d'habitants qui suivent vraiment de manière très pointue la politique locale et c'est vraiment hyper satisfaisant, quoi. Voilà, on sent que l'information qu'on passe est reçue et que les gens réfléchissent et y répondent et c'est très agréable. Donc pour répondre à la question, le chargé de mission, non, c'est pas du tout un problème qu'il soit embauché par la CASA. La CASA, c'est elle qui a la compétence économique, en théorie. C'est elle qui a la compétence logement aussi. C'est elle qui a une compétence activité économique assez forte, même si la ville fait beaucoup aussi. Donc c'est non seulement c'est pas choquant, mais c'est même très cohérent qu'il soit embauché par la CASA. Faut pas oublier que la CASA, c'est nous, hein. La CASA, c'est les représentants, c'est les élus des villes qui sont élus à la CASA. Donc, la CASA, c'est nous. Et, enfin, quand on travaille à la CASA. Quand on délaisse pas le travail aux autres. Mais en théorie, la CASA, c'est nous. En ce qui concerne donc jeunesse et sport, oui. Est-ce que à moyen ou à court terme, des actions se feront pour les jeunes, car les associations ou la mairie ne proposent pas grand-chose pendant les vacances scolaires, contrairement à mon époque? Alors clairement, c'est pas une priorité de la municipalité actuelle. Voilà, ils ont d'autres priorités, mais jeunesse et sport, c'est, moi j'estime, très délaissé. Donc à court terme, je vois pas de projet, comment dire, ambitieux sur cette thématique-là. À moyen terme, bah, ça dépendra pour qui les gens voteront en 2020. Certaines municipalités, certains groupes auront envie de faire de cette thématique une priorité. C'est le cas de notre groupe, d'autres non. Donc, nous verrons en 2020. Justement, Frédéric Rollin demande quelles sont les perspectives d'aménagement et de développement pour les sites tels que le tennis et parc titulaire, tas de foot, gymnase aligné, plateforme et esplanade du gymnase UG, mini-site sportif, etc. Pareil, pour l'instant, aucune information là-dessus, aucune volonté là-dessus. Depuis le début du mandat, on a eu une seule commission municipale jeunesse et sport. Donc, ça dit bien qu'il n'y a rien qui est dans les tuyaux, rien du tout. Et oui, tous les sites qui sont... Alors, la base nautique, elle a été... la base nautique, la piscine des Tuilières a été rénovée récemment. Il y a eu plusieurs soucis, mais elle est rénovée. Donc là, il y a eu une action d'entreprise. En revanche, tous les autres sites sont soit saturés, soit dégradés, et il y a d'autres besoins aussi sur la commune en termes d'équipements sportifs qui sont pas du tout remplis. Et le sport, c'est pas juste l'activité physique, c'est aussi, quand on est dans une ville comme Vallauris, c'est l'encadrement de nos jeunes,
et l'intégration citoyenne aussi de nos jeunes. Donc c'est vraiment, pareil, un point d'entrée de toute une politique municipale axée sur la citoyenneté et l'implication des jeunes qu'il faudra développer. Merci. Passons à l'éducation avec une question de Mounasta. Sachant que moi, que dans cette ville, aucun repas de substitution n'est proposé aux écoliers, est-ce de la discrimination, de la stigmatisation, de la provocation? Peut-on espérer un retour des repas de substitution à la cantine comme dans d'autres villes de France? Attention, je ne demande pas de cachère, ni de halal, ni de vegan. Alors, substitution, repas de substitution, je suppose qu'elle parle des repas de substitution au menu avec porc, donc pour les enfants qui ne mangent pas de porc. Jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, à Vallauris, il y a toujours eu des plats de substitution. Quand il y avait du porc, certains, les enfants qui n'en mangeaient pas, avaient de la dinde ou du poulet à côté, sans que ça ne pose de problème à personne. Madame Saluki a décidé de revenir sur cette décision. Ce que j'ai regretté, non pas parce que elle a pris cette décision, mais parce qu'elle n'a pas amélioré la situation. Elle a donné l'impression de vouloir viser une population. Je ne sais pas si c'était son objectif, mais elle a donné cette impression. Donc qu'on revienne sur le plat de substitution ne me paraissait pas une bonne idée à l'époque, clairement. En revanche, la laïcité, le respect de la laïcité, fait qu'il paraît inconcevable qu'il y ait ce plat de substitution qui soit remis à l'ordre du jour. Nous, la solution qu'on avait proposée à l'époque et qui a été déjà mise en place dans pas mal d'autres villes, c'était de proposer une alternative végétarienne. C'est, on sort de la logique confessionnelle complètement. C'est-à-dire que tous les repas, vous avez le choix entre un menu avec viande et un menu sans viande. Donc le jour où vous avez envie de manger de la viande ou pas, et ben, vous choisissez le menu végétarien ou pas. Le jour où il y a du porc, et ben, naturellement, les enfants se tournent vers le menu végétarien. Ça évite de sortir d'une forme... ça permet de sortir d'une forme d'hypocrisie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la situation est assez hypocrite, c'est-à-dire qu'il y a il y a un menu unique pour tout le monde, mais on est tout le temps en train de jongler. Quand il y a du porc, il faut qu'on mette absolument... En fait, on fait un menu végétarien plus du porc, pour que quand le porc est retiré de l'assiette, eh ben, on a un menu équilibré. Bon, c'est une situation qui n'est pas idéale. Donc, pour répondre très clairement, je ne pense pas que personne ne reviendra jamais sur la possibilité de mettre une alternative, un repas de substitution porc. Moi, je le souhaite pas, personnellement. En revanche, j'aimerais qu'il y ait une alternative pour tous les enfants, tout le temps, en sortant de cette logique confessionnelle. Il faut que je précise quelque chose, il y a un contrat restauration scolaire, d'accord, c'est en délégation de service public, donc c'est-à-dire que c'est un privé, c'est la société Elior qui s'en occupe. Donc, on peut très difficilement changer le contrat. Donc, si ça devait se faire, ce sera à la fin du contrat, donc d'ici 7 ans. Cette internaute se questionne aussi sur l'environnement. Ouais. Donc elle nous dit « Je suis nouvelle arrivante dans la ville de Vallauris et je n'ai jamais vu une ville au trottoir aussi sale, sans parler de l'odeur. Déchets en tout genre et excréments sur les trottoirs qui mènent à l'école d'Angevin. Existe-t-il un service de nettoyage dans la ville ?» Il existe un service de nettoyage dans la ville qui est souvent mis en cause, qui a connu beaucoup de difficultés en interne à cause du management, à cause de l'implication aussi de certains, faut le dire. Donc, mais il y a un vrai problème avec la propreté à Vallauris-Golfe-Jean. Enfin, c'est pas polémique de dire ça, ce sont des faits, quoi. Bon, il suffit d'aller dans les villes aux alentours et de venir à Vallauris-Golfe-Jean. Notre ville est moins propre qu'ailleurs. Mais oui, il y a un service propreté à Vallauris-Golfe-Jean qui, avec des personnes compétentes, qui sont en nombre suffisant, qu'il faut juste organiser, réorganiser et mobiliser sur ce travail-là. Parlons du dossier des plages du Golfe Juan, qui est aussi un dossier qui concerne l'environnement. Isabelle Saint-Est se demande quel est l'avancement de ce dossier. Ok, alors on a deux concessions. Il y a deux plages, on va dire, à Golfe Juan. Plage du Soleil, là où il y avait Tétou, Nounou, etc. Hein, Pascalin, Valoris Plage et Golfe Plage. Et de l'autre côté, les plages du Midi, côté Théâtre de la Mer, côté Juan les Pins. Et ce sont deux concessions différentes. Aujourd'hui, plage du Midi, cette année, il y avait une seule concession qui était en place. Et on devait en avoir 5, donc 5 plages privées, pour le dire simplement. Malheureusement, l'appel d'offres a été un échec, faut le dire clairement, parce qu'on a proposé 5 plages privées à cet endroit-là,
et il y a eu une seule réponse positive. Donc là, l'appel d'offres est relancé là en septembre-octobre pour que l'année prochaine et pour les 11 années à venir, il y ait 5 plages privées qui soient plages du Midi. En théorie, il devrait y avoir une base nautique. Pour l'instant, on n'en voit pas le début, mais ça devrait sortir bientôt, d'ici 1 an ou 2. Et il y aura une rénovation des plages du Midi. Et plage du Soleil, là cette année, on était dans une, on va dire, une saison blanche. Il y avait un exploitant qui a pu s'installer à l'année, mais voilà. Là, on est un peu dans une saison blanche. À partir de l'année prochaine, on repart sur une concession d'une douzaine d'années. Pareil, avec, c'est à définir, mais 3 à 5 concessions de Qui dit plage, dit soleil et donc moustique. Elisabeth Gauthier se demande s'il y a un programme de lutte anti-moustique prévu pour l'avenir. Les jardins sont impraticables de mai à septembre. Toute la colline des Brousquets est infestée. Il y a eu beaucoup de moustiques cette année, mais c'est pas la faute de la mairie. Non, mais clairement, c'est pas la faute de la mairie. Et oui, avec le réchauffement, il y a de plus en plus de moustiques. Et balancer des pesticides partout, c'est pas, absolument pas une solution. Déjà, personne ne peut éradiquer les moustiques. C'est pas possible. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est pareil, les bonnes pratiques. Vider les coupelles, vous savez, vider les coupelles des pots de fleurs, etc. Tout un lot de bonnes pratiques qui sont de plus en plus communiquées par le département notamment, et il faut que la ville communique là-dessus. Mais malheureusement, c'est pas le maire qui va éradiquer les moustiques à Vallauris-Golfe-Juan, et moi je me refuserais à mettre des pesticides partout toute l'année pour éviter qu'il y ait des moustiques dans les jardins. Justement, vous parlez de pots de fleurs. Nous allons Oui. parler de bacs à compost. Existe-t-il une législation de voisinage pour les bacs à compost? En vous remerciant par avance. Alors, si c'est les composts dans les jardins privés, il n'y a pas de législation particulière, il faut juste éviter les nuisances. Donc, s'il y a vraiment de très mauvaises odeurs, mais en général, un compost bien fait, il n'y a pas de mauvaises odeurs. Donc, je ne pense pas que ce soit le problème. Si c'est l'usage du composteur de quartier, il commence à y avoir des composteurs de quartier en ville, pareil, il y a un règlement qui est clairement affiché dessus. Et là, il suffit de contacter Univalhomme ou qui est l'organisme qui s'occupe des composteurs, et puis il y a un maître composteur même qui peut venir rappeler les règles essentielles, notamment au conseil de quartier. Concernant les ressources humaines, nous avons une question de Monique-Réveron. Il faudrait arrêter les privilèges et passe-droits alors que du personnel en place demande un changement de poste, mais cela leur est refusé malgré leurs compétences et diplômes au profit de personnes qui sont amies avec un tel, etc. Ces agissements sont inadmissibles. Que pensez-vous de leur façon d'agir? D'accord, donc on parle des personnels municipaux là, si j'ai bien compris. Donc à Vallauris-Golfe-Juan, il y a à peu près 600-700 employés de mairie. Donc c'est vraiment une grosse entreprise au service des habitants. Et comme toutes les grosses entreprises, oui, moi je suis tout à fait pour qu'on favorise la mobilité interne. C'est-à-dire que pour que les personnes qui rentrent à la mairie puissent évoluer, puissent changer de poste, puissent monter en compétences, etc. Ça demande une gestion humaine qui est très importante et qui aujourd'hui n'est pas du tout à l'ordre du jour à Vallauris-Golfe-Juan. Il y a beaucoup de difficultés dans la gestion du personnel, principalement du fait des élus en place. Donc oui, il faut revoir certaines pratiques. Et d'ailleurs, nous en 2014, dans notre programme municipal, ça faisait partie de nos propositions. On avait dit mettre en place une GPEC, donc une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, c'est-à-dire repérer auprès de chaque employé quelles étaient leurs compétences, quelles sont leurs motivations aussi, et quand un poste s'ouvre, quand on a des besoins, qu'on voit en interne si des personnes ont envie de remplir ce poste et en ont les capacités. Très bien. Concernant Anticor, êtes-vous toujours membre de cette association? Toujours, toujours. Anticor, pour ceux qui connaissent pas, c'est une association d'élus et de citoyens engagés contre la corruption et pour la transparence de la vie publique, donc pour la participation citoyenne. Donc, j'en fais partie depuis très longtemps. J'étais référent départemental pendant 3 ou 4 ans et je viens juste de passer la main. Mais je reste un membre actif. Je reste le référent Anticor de Vallauris-Golfe-Juan et j'ai toujours des fonctions à Anticor au niveau national. Je fais partie du comité éthique, des 4-5 personnes qui font partie du comité éthique au niveau national. Donc plus que jamais, je pense que c'est un combat qu'il faut mener pour la participation citoyenne, pour la transparence, pour le renouvellement des pratiques. C'est pareil, c'est
les valeurs de base d'une implication politique, moi, c'est vraiment la transparence, l'honnêteté et la participation citoyenne. Donc, à Anticorps, plus que jamais. Faut-il institutionnaliser le fait de filmer les très instructifs conseils municipaux? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je suis pas député, donc c'est pas à moi de répondre à cette question, mais oui, nous on diffuse les conseils municipaux sur notre page Facebook depuis quelques années. On l'avait mis dans notre programme, hein, il faut dire, hein, diffusion. Voilà, si on était élu, on voulait le faire, on voulait que ce soit la mairie qui le fasse. Donc, quand je suis arrivé au conseil municipal, j'ai proposé à la maire de le faire. Elle n'a pas souhaité mettre en place ce dispositif, pensant que ça n'avait pas beaucoup d'utilité, et du coup, on l'a fait nous. Donc notre groupe l'a fait, on l'a diffusé. Alors au début, la maire n'était pas du tout contente qu'on le fasse. Maintenant, c'est devenu une habitude et c'est très suivi. Il y a en moyenne 2000 personnes, 2000 vues sur les conseils municipaux. Là, le dernier, il y avait 6000 personnes touchées. Enfin, ça intéresse les gens. Et on voit, ne serait-ce qu'à la qualité des questions aujourd'hui, que ça a un impact parce que les gens sont beaucoup mieux informés de ce qui se passe à Vallauris-Golfe-Juan. Ils voient aussi clairement les pratiques de leurs élus, ils peuvent se faire une opinion par eux-mêmes, ils peuvent entendre l'intégralité des interventions des élus. Donc, moi, je suis persuadé que c'est un excellent outil démocratique et qui ne demande pas beaucoup de moyens, donc qui ne coûte pas cher. Donc, l'institutionnaliser, le faire rentrer dans la loi, le rendre obligatoire, franchement, pourquoi pas, je voterai pour avec grand plaisir. Moi. Concernant les compteurs Linky, pourquoi un débat public n'est pas simple? Alors les compteurs Linky, c'est les compteurs communicants d'électricité qui sont en train d'être mis en place un peu partout en France et qui font polémique parce que certaines personnes y sont opposées. Donc au dernier conseil municipal, nous on a proposé qu'il y ait un débat public justement contradictoire qui ait lieu. Donc inviter que la mairie organise un débat avec les citoyens, inviter Enedis, donc qui est en charge de l'installation de ces compteurs. Et qui défend pour plein de raisons cette installation, et qu'on invite les personnes qui y sont opposées et qu'elles présentent aussi leurs arguments. Toujours pareil, pour qu'on ait une démocratie vivante et que les citoyens, les habitants qui se posent des questions, puissent venir écouter les arguments des uns et des autres et poser leurs questions. Donc pourquoi c'est aussi difficile? Je sais pas, faut demander à la maire en place, mais rien ne dit qu'elle va pas organiser cette réunion, j'ai envie d'y croire, même si j'en doute. Merci. Nous allons passer à la dernière question. Ouais. Pensez-vous que l'on doit toujours se soumettre à la loi ou à la volonté du préfet, ou bien doit-on défendre les intérêts de la commune à tout prix, allant même jusqu'au conflit, manifestation, dépôt de plainte, si nécessaire? Alors, cette question est assez compliquée. Il y a plein de choses dedans. Est-ce qu'il faut toujours respecter la loi? Oui, et 1000 fois oui. Ensuite, est-ce qu'il faut défendre sa ville à tout prix? Évidemment, dans le cadre du respect de la loi. Après, est-ce que lorsqu'on doit appliquer une décision avec laquelle on est en désaccord, mais qui est légale, est-ce qu'on peut être actif démocratiquement pour faire changer les choses? Encore une fois, oui. Enfin, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Ben, tout à l'heure, on parlait des plages, par exemple. Les plages. Il y a eu toute une polémique sur le décret plage. Est-ce que c'est bien l'application de ce décret plage, est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Il y a eu deux réactions différentes de la part des élus locaux. Il y a eu la réaction de Madame Saluki, des premiers temps. Nous aiderons les plagistes à ne pas appliquer ce décret plage, à déroger à ce décret plage. On ne l'accepte pas en l'état. Alors c'était que des mots. Mais en attendant, il y avait ce refus de se conformer à la loi. Et de l'autre côté, il y avait la position de Monsieur Leonetti, qui est le maire d'Antibes, qui disait, je n'appliquerai pas, je ne suis pas d'accord avec le décret plage, mais je suis un légaliste, donc je l'applique, et dans le même temps, j'essaie de faire changer la loi, de faire changer les choses. Moi, ça me paraît être une bonne chose. Quand il y a quelque chose qui est illégal, on se bat avec les armes, voilà, de la légalité et du droit. Mais quand on est maire, quand on est le premier magistrat de la ville, on applique la loi. On applique la loi. Si le préfet veut nous imposer des choses, si c'est légal, on va voir, il faut qu'on voit si nous, légalement, on peut le refuser, si on n'en a pas envie. Si on ne peut pas le refuser, il faut voir si on peut faire changer les choses. C'était le cas plage de la Mirandole aussi, hein, quand il y avait la préfecture a voulu imposer le fait qu'il y ait des constructions irrégulières, pour le coup, sur le domaine public maritime.
Eh ben, nous, citoyens, moi le premier, on s'est levé en disant non, c'est pas légal, on s'est levé contre le préfet, et toutes les constructions du roi d'Arabie Saoudite ont été démolies. Donc encore une fois, voilà, moi je suis un légaliste, hein, on respecte la loi, quand on n'est pas d'accord, on fait en sorte de la changer, mais par des moyens démocratiques, et dans tous les cas, on est dans le débat d'idées, et on essaye d'associer le plus de personnes possible pour faire changer les choses quand on en a envie et quand on pense que c'est nécessaire pour notre vie. Monsieur Falco, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions et je vous laisse le mot de fin. Eh ben, merci à vous, déjà, future étudiante dans l'audiovisuel. Donc merci pour votre aide. Et ben, le mot de la fin, déjà, moi, je serais assez curieux d'avoir le retour des personnes qui ont écouté ce Facebook Live, savoir si la formule, voilà, on innove, c'est la première fois qu'on le fait, savoir si la formule convient. Si c'est bien de prendre autant de questions, s'il faut en prendre moins, s'il faut faire du thématique, si... Donc ça, voilà, si en commentaire, il y a des pistes, des remarques, on est preneur. Je trouve que c'est un exercice intéressant, moi j'aimerais bien qu'on en refasse. Donc après, pareil, dites-nous si c'est intéressant, pas intéressant. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que notre groupe Ensemble pour Valoriser Golfe Juan, il est ouvert très largement. Donc les personnes républicaines qui sont animées pour défendre Valoriser Golfe Juan en dehors des étiquettes partisanes nationales, etc., qui ont vraiment juste envie d'agir pour leur ville, contactez-nous. Voilà, vous avez notre site internet, il y a notre Facebook, abonnez-vous à notre newsletter. Et voilà, il y a tous ces outils qui existent. Et puis on est très souvent sur les marchés, on fait très souvent des réunions. Bienvenue quoi. Il y a que en se mettant ensemble qu'on arrivera à faire avancer cette ville. Donc Ensemble pour Valoriser Golfe Juan est là pour ça. Donc bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup.